Coucou tout le monde, on se retrouve pour un haul action et news. J'ai été mercredi faire 2-3 courses et à Noz, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Donc je suis retournée aujourd'hui et je suis contente, j'ai fait une grosse trouvaille. Donc avant, je vais commencer par action parce que j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai trouvé quelques nouveautés comme ces stickers en chipboard. Voilà, cherchais. Donc j'ai pris que ce thème là parce que franchement je le trouvais super joli. J'en ai trouvé que deux et c'était moins d'un euro. Le ticket de test, il est où? Il est là. Donc je viens d'arriver, donc je vous fais la vidéo tout de suite. C'était pas très cher ça. Oui, 64 centimes. Donc je suis contente parce qu'ils sont vraiment très jolis. Regardez. Dans le thème un peu shabby, vintage, c'est trop trop bien. Si je retrouve un paquet, je reprendrai. J'ai trouvé aussi les paper blocks comme ça. Bon, ce Noël, hein, il y avait, le rayon était vide. Mais j'ai trouvé celui-ci. Au début, je voulais pas le prendre, mais regardez, c'est sur le thème un peu vacances. Donc ça, c'est 1,75€ si je me trompe pas. Donc ça, j'aime bien la carte ici. Désolée, j'ai le nez qui coule un peu. Donc dans les thèmes vacances, super. Bon, il y a des choses que j'aime un peu moins, comme cette page-là, mais bon, c'est pas grave. Je le glisserai dans un des lots du concours, ou je sais pas, voilà, pour les commandes vintage, des fois. J'adore le perroquet, ici, pour un album zoo. Voilà, donc dans les thèmes vacances. Alors, cette page magnifique, un effet carte. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Bon, celle-là encore, ouais, ça peut aller, mais bon. Celle-là moins, celle-là... Et celle-là. Voilà pourquoi j'ai craqué. Donc, bon, celui-là, j'aime pas du tout. Mais on peut utiliser de l'autre côté pour faire des tamponnages. C'est blanc. Donc, c'est super. Celui-là, encore moins. Donc, voilà. Donc, c'est surtout les deux papiers, là, et quelques die-cuts qui sont super. Donc, ça, c'était 1 euro et quelques. J'ai trouvé les trois sortes de nouveaux pochoirs. Donc, bon, on manquera encore trois, mais c'est pas grave. Dans le thème ici, animal, comme ceci. Très joli. Franchement, très joli celui-là, un peu zèbre. Il y avait celui-ci, avec les points. Vous avez les points, les rayures, enfin voilà. Il y a cinq modèles dedans. Ça, c'était 75 centimes, si je ne me trompe pas. Et celui-ci avec les cœurs. Donc, voilà. Donc il manquera trois modèles et franchement je suis trop contente parce que j'attendais avec impatience. Mais moi c'est celui avec un peu effet nid d'abeille. Et j'ai pris ceci. Je n'avais pas pris les verts la dernière fois et il manquera dans les tons noirs. Donc c'est les nouvelles couleurs. Donc voilà, j'ai pris ça à 99 centimes. Donc voilà pour Action. À Noz. Bon, j'ai repris un paquet comme ça de mousse, il en restait un, donc 1,50€. Enfin, les feutrines. Donc j'ai repris ça. Et gros arrivage, Studio Light, trop contente. Bon là j'ai craqué. Il y avait du papier. Donc 10 feuilles à chaque fois pour 1,50€. Il y avait celui-ci. Donc ton vintage comme ça, super. Donc 10 papiers avec ce recto et ce verso. Trop beau. Trop beau. Franchement, sublime. Là, franchement, l'arrivage, voilà, j'ai craqué. Celui-ci, pareil, donc 10 papiers à chaque fois. Avec les partitions. Je vous mets pas trop la lumière parce qu'après, ça va refléter, donc j'espère que vous voyez bien. Celui-ci, un peu vintage aussi. Trop beau. Donc des pages 30-30, hein, regardez. 1,50€, hein. Il y avait plein de modèles, hein, j'ai pas tout pris. Celui-ci dans le thème de Noël. Trop, trop beau, regardez. Le meilleur, c'est derrière, regardez. Avec les rennes comme ça. Trop beau. Donc vous avez les marques, ici c'est le Winter, donc il y a les tampons aussi assortis. Celui-ci, avec effet bois bleu. Pour un thème marin, ça peut être pas mal, donc c'est dans le thème marin de toute façon. C'est pour le Summers at the Beach, voilà. J'avais appris les die cuts la dernière fois. Bah là, il y a le papier, donc super. Et celui-ci, pareil, dans le thème un peu Noël, le Winter. Trop beau.
trop beau. Franchement, trop beau. Pour 1,50€ les 10, c'est vraiment pas très cher. Et du coup, j'ai pris aussi un bloc de die cut. Il y en avait plusieurs, mais moi j'ai pris ceux-là pour faire des cartes dans le thème Snow Afternoon. Donc franchement, ils sont trop beaux. Trop, trop beaux. Voilà, je vous les montre vite fait, mais franchement, les cartes sont super. Donc j'ai pris celui-ci pour 1,20€. Et après, c'est que des tampons. Donc là, j'ai vraiment craqué pour les tampons. J'ai abusé, je trouve, mais bon. C'est trop difficile de choisir. Ils en ont mis un sacré paquet, trop difficile à choisir. Donc, du coup, j'en ai pris. Pas mal. Vous allez voir aussi, hein, vous allez voir pourquoi. Vous allez comprendre. Des tampons et dies. Donc, tac. Alors, en dies, j'ai trouvé à 2,50€ le Snow Afternoon. Donc, ça va avec la collection de die cut. Ce die-ci flocon. Donc, trop beau. Il est là. Trop beau, trop beau. Et il y avait un deuxième modèle. Je sais pas si je vais le retrouver. Par contre, je crois qu'il y a un tampon que j'ai pris en double sans faire exprès. Donc, c'est pas grave, je vais mettre en vente. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer petit à petit parce que sinon je vais galérer. J'ai pris aussi ce set tampon papillon, je ne crois pas que je l'avais. Au pire, il sera en vente sur Vinted, 2,99€. Donc c'est les tampons papillon à superposer. Du coup, comme j'ai fait les tampons, on va continuer dans les tampons. Ce tampon fond, donc là c'est industriel, ici il fait tache comme ça. Trop beau, regardez. Trop beau. 2,99€. Donc là, c'est les tampons de fond. En tampon comme ça, il y a aussi dans le thème industriel, justement, qui va avec celui-là, il y a celui-ci. Donc 2,99€. Après, là, c'est Winter Day. Donc c'est avec des étoiles et tout. Très beau pour Noël. J'essaye de vous les montrer assez lentement pour que vous voyez bien. En fond, il y avait aussi celui-ci. Là, je vois pas, il y a l'étiquette. Très joli. Pour une carte carrée, vraiment pas mal. Le Winter Trail, je ne sais pas le dire en anglais. Mais très joli. Très joli, très joli. Et il y avait aussi, normalement, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas le même. Ah, ma mère, elle a cru que j'avais acheté le même, mais non, en fait, c'est pas le même. Il y a aussi ce modèle-là, il y a une boule de neige, enfin, une boule de sapin, vous voyez. Trop joli. Donc ça, c'était 2,99€. Un autre tampon, il y avait sur les thèmes un peu fleurs. Alors, il y avait celui-ci, trop beau. Donc ça va avec cette marque-là, enfin, cette gamme-là, vous voyez, Winter Day. Donc il y a ces fleurs-là, 1,99€. Regardez, on peut faire ça. C'est des groseilles, je crois, je ne sais pas. Je pense pas que ça soit du gui, non, je pense pas. Enfin, les connaisseuses, parce que moi, en fleurs, je connais pas trop, mais il y avait celui-là, 1,99€. En fleurs, donc là, c'est la marque Essentielle, donc toujours Studio Light. Celui-là, mais je me demande si je l'avais pas pris la dernière fois. Vous voyez, ça fait un bouquet de fleurs. Je crois pas, hein, parce qu'ils font plusieurs modèles différents. Donc franchement, super joli. 1,99€. En fleurs, il y a celui-ci aussi de la marque Essentielle. Donc le même que Essentielle. Oui, Essentielle. 1,99€. Donc des fleurs comme ça avec la petite libellule. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. C'est bien parce qu'ils montrent des exemples derrière un peu comment coloriser. Ensuite, en fleurs, il y avait celui-ci. J'en avais des un peu comme ça, mais c'était pas les mêmes que ceux-là, donc trop trop joli. Bon, après, c'est ça qui fait moche le bulbe. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc après, on peut découper et ça fait juste la fleur. Hein. Mais trop joli aussi. 1,99€. En fleur, il y avait celui-ci aussi, trop joli. Trop joli. Bon, après, c'est en anglais, donc voilà. Ça, c'est les plantes grasses. Très joli, ça. Ça peut être pas mal. Voilà. Hop.
vous les montre doucement. Donc ça, 1,99€. En fleurs, il y avait celui-ci. Je dirais le lys. Du lys, celui-là. 1,99€ aussi. Voilà. Très joli. Bon, après, c'est ça. Hein. Comme je dis, c'est en bas qui est moche. Mais voilà. La racine, enfin voilà. On l'enlève, c'est pas gênant. En fleurs, il y avait quoi d'autre? Celui-ci. Comment ça s'appelle? J'ai le nom, mais je ne le sais plus. Il ne marque pas. Donc, ça donne ceci. Donc, très joli aussi, celui-ci. Hein. Donc, en autre fleur, il y avait celui-ci. Voilà, toujours 1€ et quelques. 99. En fleur, en fleur. Celui-ci, 1,99€, les plantes à suspendre, le petit cactus. Et il y en avait un autre aussi, dans ce genre-là. Bon là, j'ai craqué, hein, je vous dis, j'ai pas mal de tampons. Donc il y avait celui-ci. Et vous voyez, ça complète avec les lots cactus, comme ça. Donc voilà, je vais ranger déjà ça. Oh non, je vais laisser là, on verra après. Alors, oh, tampon encore, il y avait ceci. Et c'est celui-là, normalement, que j'ai en double. Et oui, je me suis trompée. C'est celui-là que j'ai pris en double. Donc celui-là, il sera sur Vinted. 1,99€, voilà. Et du coup, c'est l'autre que j'ai pas pris. Je crois que voilà, il y en avait un peu dans ce genre-là et du coup c'est celui que j'ai pas pris, mais c'est pas grave, c'est pas gênant. C'était pas mon préféré non plus. Non, justement, il me plaisait pas trop, du coup je l'ai reposé et celui-là, bah du coup je l'ai pris deux fois, mais bon, c'est pas grave. Si ça intéresse quelqu'un, je le mettrai sur Vinted. C'était pas prévu, mais bon. Ou sinon j'irai me faire rembourser, hein, c'est pas grave. Il y avait celui-ci, 1,99€. La plupart des tampons sont 1,99€. Donc le pan ici avec au lieu de plumes, c'est des ciseaux, des crayons de papier, enfin voilà. Ici un espèce de hérisson porte-aiguille, enfin voilà. Très très sympa, ça peut être pas mal aussi celui-ci. Là, on va passer à Noël. Alors à Noël, qu'est-ce qu'il y avait de Noël, de Noël. Donc à Noël, il y avait... celui-ci, le sapin en bois, en palette, comme ceci, 1,99€. Donc ça peut être très intéressant dans un thème nature, Noël naturel. Voilà. Un sapin comme ceci. Ça, pour le thème noir, blanc, doré, ça peut être pas mal. 1,99€. Celui-là, alors là, c'est un de mes préférés. Regardez, la boule de sapin, comme ça, les boules. Joli, donc voilà les modèles qui montrent, enfin des exemples, c'est bien, ils montrent des exemples derrière. Celui-ci est très joli, le petit chalet comme ça, hop, voilà, très joli. J'avais acheté, d'ailleurs ils les ont mis à Noz, du coup je les avais payés 8€ et là ils sont à 1,99€, franchement ça vaut le coup. Il y avait la voiture et une tasse, donc là ils ont mis cette année à action, et puis ça c'est dans la même gamme, donc je suis contente. Parce qu'il m'intéressait et j'hésitais à l'acheter parce qu'il y en avait quand même pour 8€. Bah là, il y était. Franchement, bah j'ai pas hésité. En tampon, j'ai pris aussi celui-ci. Il y en avait qu'un de celui-là. Très joli. Pour faire un effet poche comme ça. Effet couture. Petite ceinture. Je trouvais ça pas mal. Voilà. Pour une carte homme, c'est très intéressant. Après, il y avait deux grands tampons comme ceci. Enfin, trois, mais j'en ai pris que deux, hein. Un effet couture et un effet travel, voyage. Pour 1,99€, franchement, 1,99€ celui-là et celui-là, regardez la taille, franchement, ça valait quand même le coup. Donc voilà, très joli. Ça, sur un fond de page, c'est pas mal. Et en tampon, j'avais aussi celui-ci dans les fonds de cartes. On monte comme ça, voilà, 2,99€,
Oh, trop sympa. En tampon, celui-ci aussi. Vous savez, à superposer. 2,99€. Donc ça donne ces fleurs-là. Pas des pissenlits, mais ça ressemble à ça un peu. Comment ça s'appelle ces fleurs-là? Pas des marguerites, mais des trucs comme ça. Quelque chose comme ça. Hein. Mais franchement, très joli celui-là. Quand on superpose, trop contente. 2,99€. Et après, je crois que ça va être que des dies. Ouais, c'est ça. Après, c'est que des dies. Donc, par contre, je vais vous montrer celui-là. C'est pas du Studio Light, mais je l'avais pris mercredi. Et il y a une petite abonnée qui me l'a demandé. Donc, je lui ai pris celui-ci avec le Père Noël de la marque First Edition à 5,99€. Donc, ça, c'est pour une de mes petites abonnées. Il restait que celui-là en Père Noël. Donc, voilà. Donc, là, il y avait pas mal de dies aussi. Et franchement, des intéressants. Et d'autres où on va galérer un peu plus pour faire trouver des idées pour créer, mais ça pouvait être pas mal. Il y avait celui-ci. Vous voyez, on a quand même les dies. Voilà, il y a trois épaisseurs. Donc au pire, pour faire des. Je pense que pour faire des memory decks, ça peut être pas mal. Je pense que ça doit faire à peu près la même taille. Vous voyez, on coupe un peu là. Et enfin voilà, enfin à voir. Pour 2,99€. Vous voyez, ça donne ceci. Et il y avait aussi celui-ci. Donc celui-ci, on peut récupérer par exemple que le haut. Ça fait un effet un peu dentelle. Très joli pour mettre sur les cartes. Ou même là, pour faire une memory dex. Voilà, 2,99€. Voilà. Je trouvais ça pas mal. Dans cette gamme-là, ils ont aussi sorti un dice cœur. Enfin, des dice cœurs. Comme ceci pour faire un album. Vous voyez, vous avez les attaches ici pour faire l'attache de l'album. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ensuite, ils ont sorti ceci pour faire les onglets. J'hésitais à le prendre, mais c'est vrai que c'est pas mal pour faire les onglets, pour trier les tampons ou autre, ça pouvait être pas mal. Pour 2,50€, toujours le même prix, voilà, ça fait ça. Je les avais pas pris la dernière fois, ils me plaisaient pas trop, mais là, ceux-là, je pense que ça fera bien. Vous voyez, ça fait cette forme-là, c'est vraiment pas mal. Ensuite, ah bah, je l'ai pris en double. Bon bah, celui-là aussi, il sera sur Vinted. Hein. Donc celui-là, c'était 2,50€. Ma mère avait bien vu que j'en avais un en double. C'est pas grave, quand on est à la caisse, c'est pas évident. Parce qu'en fait, j'ai essayé de prendre au moins un de chaque, j'ai tout balancé dans mon chariot. J'ai essayé de trier tant mieux que mal dans un des rayons, mais c'était pas évident. Donc j'ai réussi à enlever pas mal qui me plaisaient pas ou que j'avais en double. Ben, y en a qui sont passés, ben, c'est pas grave. Ça sera pour si quelqu'un les cherche. Je les mettrai sur Vinted. Il y avait aussi ce dice étoile, très joli. Vous voyez, c'est tous un peu dans les mêmes gammes. Voilà, on a les couleurs derrière. Et franchement, très joli. D'ailleurs, il y a un flocon de neige que j'ai pris. Je ne sais pas si je l'ai montré tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais regardez. Un flocon, enfin, ouais, en quelque sorte, un flocon de neige. Donc ça, c'est 3,20€ celui-là. Allez, yonk. Je n'avais pas fait gaffe, hein. C'est pas grave, de toute façon il est très joli. Les étoiles, ça sert toujours. Mais dans la même gamme, vous avez cette étoile. Là, flocon de neige, 2,50€. Oh ben non, il n'y a pas le modèle. Mais ça donne ceci. Très joli. Après, dans la même gamme que celui-là, je crois. Non, c'est pas le même. C'en est un autre, mais j'ai trouvé celui-là. Et celui-là, il n'y en avait qu'un. Donc c'est pour faire une petite poche. Oui, ben on peut pas. Une petite poche un peu comme jean. Donc je trouvais ça pas mal. Et ça, je crois que c'est pour faire une découpe et vous tirez et ça ouvre par exemple une carte ou une enveloppe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, on trouve ça pour les cartons, pour ouvrir les cartons où on tire, hop, et ça ouvre le carton. Bah, c'est ça. Donc, 2,50€. Il y avait celui-ci. Très joli, avec Merry Christmas. Enfin, Merry Christmas. Ici, trop joli, l'espèce de guirlande. Il ne montre pas le modèle derrière, mais franchement, très joli. Oui, en fait, on peut faire des fanions comme ça. Avec ça, on peut faire des fanions qu'on remplit avec Merry Christmas et la guirlande ici au-dessus. Trop joli. Ça, pareil, 2,50€. Toujours dans les choses de Noël, il y a le petit village comme ceci à 2,50€. Le petit village avec la petite voiture devant. Ils auraient pu mettre les sapins. Ils étaient très jolis, les sapins. Parce que dans la même gamme, il y avait celui-ci. Ça, c'est très joli aussi. Les flocons, ça, les flocons, on en a toujours besoin.
Et dans la même gamme, on avait les feuillages comme ça, très jolis. Ça aussi, on en utilise pas mal, surtout pour Noël. Et dans la même gamme, donc tout ça c'est 2,50€, il y avait ceci. Donc ceci, une fois compli, ça fait une enveloppe à offrir. Donc c'est super, je suis trop contente parce que celui-là, il n'y en avait qu'un et franchement c'est pas mal. En fait, on plie les deux parties, vous voyez ici, on plie. Ça fait comme une enveloppe et on a le flocon ici pour fermer. Ensuite, là c'est dans un autre style. Donc on a le style grunge, comme ceci. Ça aussi, c'est toujours intéressant. On peut mettre, voilà ce que ça donne. On peut mettre derrière des photos ou autre, ça peut être pas mal. Je crois que j'avais trouvé l'autre la dernière fois. Bah, comme ça, ça complète la collection. Et là, il y avait celui-ci. Vous voyez, ça fait un effet grillage à poule, pour poulailler. Celui-ci, très joli aussi. Donc tout ça, 2,50€. Et on arrive sur la fin. Non mais là j'ai craqué, je vous ai dit. Hein, franchement l'arrivage super. Celui-ci. Ok, bon bah il n'y a pas les modèles. Ici des flocons encore. Mais ils sont tous différents. Donc c'est super. Franchement trop joli. Et j'aurais bien voulu les petites pommes de pin derrière. Mais bon, on choisit pas. Hein. Et dans la même gamme il y avait celui-ci. Avec la pellicule. Enfin la Polaroid comme ça, l'étoile ici, enfin je trouvais ça pas mal aussi. Et le dernier, je me demande si je l'ai pas pris la dernière fois. De toute façon, si je l'ai pris la dernière fois, ce sera en vente sur Vinted, mais je crois pas, hein, ça me dit rien. Voilà, il y avait celui-ci. Donc voilà pour l'arrivage. Vous voyez, franchement j'ai craqué là, franchement j'ai craqué, mais franchement ils ont reçu de très belles choses. Je suis trop contente parce qu'il y a vraiment de très belles choses. Bon, il y en a que j'ai pris en double. C'est pas grave. Hein. Pour celles qui n'ont pas de nose. Donc, je mettrai en vente ces deux-là. Sur Vinted. Donc, un pour faire des onglets. Une découpe. Et ce tampon ici. Comme ça. Enfin, après, vous n'êtes pas obligé de mettre ces couleurs-là. Mais il y a un escargot. Champignon. Voilà. Voilà. Donc, ceux-là, ils seront en vente. Et ma petite abonnée. Que je lui ai pris ça, voilà. Donc voilà pour ce haul, gros haul nose surtout. Donc je pensais aller trouver ça mercredi, j'ai pas trouvé. Bah je suis retournée aujourd'hui pour espérer les voir. Et ben je suis contente parce qu'ils ont mis l'arrivage aujourd'hui, donc je suis trop contente. Mais pas mon portefeuille par contre. Mais bon, voilà. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.